Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du conseil municipal du 12 avril 2021. Je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent grâce à la télédiffusion de TV communautaire TVCGR. Normalement, nous devons tenir la séance du conseil municipal en présentiel ce soir sans accès au public. Considérant les informations, comme vous le savez, de la fin de semaine, il a été décidé d'utiliser la plateforme Zoom Meeting pour la séance de ce soir. Donc, nous avons maintenu les restrictions et les mesures sanitaires pour la diffusion des séances en présentiel de ce soir sans accès public et au directeur. Donc, comme vous pouvez savoir, ça, étant donné qu'on est en Zoom Meeting, c'est sans présence de l'accès public. Donc, comme d'habitude, avant d'adopter l'ordre du jour, je vais demander aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Puis, comme vous pouvez le voir ce soir, là, au niveau des membres du conseil, Mme Valérie Langelier n'est pas présente. Donc, elle a justifié son absence, là, raison personnelle. Puis, il y a M. Léopold Brien aussi qui n'était pas disponible parce qu'il travaillait ce soir. Donc, la plupart des directeurs, là, ils sont présents ce soir. Donc, au niveau de l'ordre du jour, donc, point 1, ça va être l'adoption de l'ordre du jour. 2, l'adoption du procès-verbal de la séance du 8 mars 2021 et dispense de lecture. 3, tour de table des officiers. 4, questions aux officiers. 5, directeur financier compte à payer au 31 mars 2021. Point 6, politique familiale, rien à l'ordre du jour. 7, municipalité amie des aînés, rien à l'ordre du jour. 8, directeur loisirs de la culture et de la vie communautaire, rien à l'ordre du jour. 9, directeur de service incendie, rien à l'ordre du jour. 10, travaux publics, rien à l'ordre du jour. Point 11, directeur général. Donc, par contre, il y a des directeurs ici présents. S'il y a des questionnements, de rôle, le directeur général va poser les questions directement au directeur de chacun des services. A, installation des compteurs d'eau, autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation. B, esplanade de l'église, octroi de contrôle gré à gré, l'atelier des paysages. C, OMH de Grande-Rivière, approbation de budget révisé 2020 en date 6 novembre 2020. Des programmes PAVL, volet AIRL, rue des Pionniers, Bellevue, de l'Horizon, de la Croix et de Rousseau, service professionnel en ingénierie pour plan et devis, octroi de contrat. E, programme PAVL, volet AIRL, rue des Pionniers, Bellevue, Horizon, de la Croix et de Rousseau, autorisation de dépôt ou une demande d'aide financière. F, prolongement du réseau de Caduc et d'égouts, secteur rue des Pionniers, Bellevue et Horizon, autorisation de signature d'entente de servitude et mandat notaire. G, prolongement du réseau d'égouts d'Acaduc, secteur des Pionniers, Bellevue et Horizon, service professionnel en portage plan globaux de servitude. H, programme réflexion et construction des infrastructures municipales, RECIM. Réalisation des places élevées avec estimation des coûts au toit de contrat. I, projet pump track, autorisation des remboursements de taxes sur les biens et services, comité de loisirs de la ville Grande-Bière. J, réindé la résolution 057-03-21, vente d'un terrain, rue du Parc, corps vente d'une parcelle de l'eau excédentaire, rue du Parc. L, cantine du parc industriel, modification à l'entente d'opération, période d'exploitation et amélioration locative. M, vente définitive et même adjugée lors de la vente pour défaut de paiement de taxes municipales du 20 février 2020. N, nomination d'un représentant civil au sein du comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé, au projet Mardi Country, maison de la culture de Grande-Vière, que maintenant, comme vous le savez, nouvelle appellation, courant culturel Rocher-Percé, octroi d'une aide financière, puis renouvellement d'adhésion au Crédit 2021-2022, puis autorisation de l'adoption, de la charte municipale de l'enfance. R, proclamation de la promotion de la santé mentale. S, demande de dons de commandite. 12, urbanisme. Avis de motion et l'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage U006-03-19.
B, demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro U007-0319, lot 5294-285, Martario 3C, Inc. C, demande de permis de construction, Chemin des Bois. D, demande de permis de construction, Rue Jonca. 13, information conseil correspondance, 14, tour de table des conseillers. Période de questions. 16, levée de la séance. Proposé par Mme Lucie Nicolas. Donc, on serait rendu au point 2, l'adoption du procès verbal de la séance du 8 de mars 2021-2022, dispense de lecture. Donc, au niveau du procès verbal, comme vous le savez, là, les gens là, le reçoivent toujours là, d'avance, que c'est transmis par la greffière. Que, considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès verbal de la séance du 8 de mars 2021, avant la tenue de la présente séance, qu'ils en aient pris connaissance et s'étaient déclarés satisfaits du contenu des documents déposés, je vous dirais même que, même avant notre séance ce soir, on a tenu notre plénière là, par Zoom meeting à 6 heures, puis j'ai même pris la peine là, de m'assurer que les membres du conseil présents avaient pris connaissance là, du procès verbal. Donc, je veux juste m'assurer, est-ce que suite à la prise de connaissance procès-verbal, est-ce que tout est conforme? Oui. Si c'est le cas, ça prendrait quelqu'un qui a proposé. Oui. Je propose. Proposé par Christian Moreau et les membres présents que soit adopté et rédigé le procès-verbal de la séance du 8 de mars 2021 avec dispense de lecture. Donc, je vais laisser la parole au directeur général. Comme vous pouvez voir, là, il va discuter plusieurs points. Je pense, autour de tour, au besoin, ben, les directeurs là, pourraient donner de l'information supplémentaire. Monsieur Ken. Et bonjour à tous. Donc, comme entendu, on va commencer avec le plus gros dossier. Celui qui prend le plus de temps ces jours-ci, c'est le prolongement du réseau d'Aqueduc et d'égout rue du Moulin. Donc, je pense que les gens nous ont vus sur le terrain en compagnie de la firme Tetra Tech pour prendre différentes mesures, des mesures qui restaient pour les hauteurs de fondation sur certaines résidences, la localisation des entrées d'eau sur certains autres. Aujourd'hui, c'était la prise des pressions statiques et dynamiques sur les bouts de réseau, sur les bancs de fontaine. Fait que, dans le fond, les plans et devis, ça avance très bien. Puis, en parallèle, au niveau administratif, moi et Marilyn, la greffière, on essaie de s'activer à préparer les servitudes restantes. Donc, je veux dire, on a fait les deux principales, c'était signé assez rapidement. On a fait la visite terrain aussi sur le terrain de M. Alain Méthode et M. Sénéchal pour les derniers petits ajustements avant de mettre ça sur plan. Ensuite, ben c'est ça, au niveau des servitudes, ce qu'on s'attend de faire, c'est que dès jeudi de cette semaine, jeudi 6 avril, jusqu'au vendredi de la semaine prochaine, le 14 avril, c'est l'objectif qu'on s'est donné pour soit prendre des rendez-vous avec les gens. Puis même si on pour accommoder les gens, si on peut rendre visite pour faire signer des ententes de servitude, c'est des servitudes qui sont très simples, hein, c'est des servitudes à titre gratuit pour passer le réseau hors rue. Donc, c'est seulement une servitude de 3 mètres à partir du bord de chemin. Donc, les résidents qui vont être visés, c'est ceux qui sont à l'est de la rue de l'Horizon nord et sud. Puis ceux qui vont être au sud de la rue Bellevue. Donc, puis il y a une partie qui va aller au centre, là, mais en principe, là, ça va se faire assez rapidement. C'est un texte qui est assez rapide. Puis là, vous allez voir dans les résolutions de ce soir, là, toutes les autorisations de signature pour et au nom de la municipalité, là, justement, pour pouvoir faire les derniers octrois de contrat pour LSAG pour la localisation de ces canalisations-là dans le cadre des servitudes. Puis aussi, il y avait aussi le mandat au notaire pour pouvoir les enregistrer officiellement au registre foncier.
En parallèle aussi de ce projet-là, ce soir, on va passer une résolution pour déposer la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du MTQ. Donc, ça, c'est une. En tout cas, on espère que ça va être accepté très rapidement, là. Mais oui, on passe un réseau, mais sauf qu'on profite de ce méga projet-là pour pouvoir refaire nos rues et refaire les ponceaux. Donc, la visite terrain pour ce dossier-là, ça a été réalisé aussi. On a reçu les appels, les plans et devis pour appel d'offres cette semaine. Donc, on a un investissement de plus d'1,2 million et plus, là. En tout cas, pour on va refaire la rue Bellevue, okay? Les 14 au complet sur toute sa longueur jusqu'à la jonction de la rue de la Rivière. Si on continue dans ce secteur-là, la petite rue de la Croix, rue du Ruisseau, secteur 28. Ensuite, on fait la rue de Bellevue, puis la rue des Pionniers à partir de l'intersection de la rue Bellevue. Puis on a aussi ben, l'autre partie de Bellevue, là, en s'en allant vers l'ouest, là, cette section-là, on va même l'allonger un petit peu. Donc, ça fait toute partie des travaux projetés. Fait que ça fait un grand quadrilatère, mais sauf que c'est tout localisé là, dans le même secteur. Donc, on va donner un coup de bord pour le secteur ouest de Grande-Rivière. Donc, cette demande d'aide financière-là devait être déposée avant le 31 avril, là, mais c'est le but c'est de le déposer Entendu. les prochains jours, là, c'est qu'il soit analysé le plus rapidement possible parce que les conditions d'admissibilité là, puis les conditions d'octroi d'aide financière ont changé au MTQ cette année, ce qui rend un peu plus facile l'accès à ces données publiques-là. Puis en passant, ben, c'est un programme qui est aussi subventionné à 75 %. Ben, à moins que les conditions restent les mêmes que l'année passée, on a eu la chance de bénéficier d'une aide de 90 %, mais le minimum, c'est 75 % pour le profil de notre municipalité. Aussi, on avait un dossier qui était actif pour la construction d'un parc à jeux pour enfants dans le secteur Petit Pas-Beau. Là, on va falloir qu'on en regarde d'autres options au courant des prochains jours, là, parce qu'on avait une option d'achat sur un terrain, mais finalement, le prix du terrain était un petit peu trop élevé. Donc, on a décidé de mettre cette option-là de côté. Les jeux. Peut-être que M. Philippe Moreau, vu qu'il est présent avec nous, pourrait nous en parler davantage, mais il était déjà ciblé, là, le type de jeu qu'on voulait installer là. Mais la ville de Grande-Rivière, on est propriétaire des terrains sur la rue de l'Azur. On essaie de regarder les autres options pour que ce soit plus situé sur la route de Petit Pas-Beau, mais les options sont un petit peu moins grandes là, depuis le terrain qu'on visait là, il n'était pas accessible financièrement. Il y a plusieurs autres dossiers. C'est sûr que là, la plupart de ces dossiers-là, ça va faire l'état là, de résolution ce soir, dont l'esplanade, la partie qui va être transformée en parc là, devant l'église. C'est un peu une continuité, là, mais la vocation est un petit peu différente que le parc commémoratif, là. Fait que dans le fond, ça va être un point qui va être utilisé, ça va être un point de rencontre de la population qui va être utilisé à bien des sauces, présentation de spectacles, hein, t'sais, l'installation de circuits électriques, de bornes électriques rapides. En tout cas, on a mis toutes nos idées, puis on a octroyé le contrat là, au niveau architectural à une petite entreprise locale, la MRC du Rocher-Percé, pour pouvoir avancer dans ce dossier-là, puis faire les demandes d'aide financière. Il y a un autre dossier aussi qu'on a avancé avec des rencontres il y a 2 semaines avec le ministère des Transports du Québec. C'est un dossier qui appartient au conseiller Denis Baudin sur la piste cyclable à Grande-Rivière. Donc, c'était vraiment une séance de travail avec le MTQ qui a été très productif, où on a demandé des estimés de coûts pour le remplacement des bordures. Qu'est-ce que ça aurait coûté au ministère des Transports pour remplacer toutes les bordures du trottoir parce qu'il était fini? Donc, on a déjà eu toutes les réponses, l'assistance du MTQ au niveau plus régional, là, mais on a travaillé on a eu une belle collaboration
de l'équipe locale de Grande-Rivière, mais on nous a donné des bonnes références au niveau régional puis au niveau MTQ à Québec pour pouvoir avancer dans ce dossier-là. Donc, le dossier de la piste cyclable à Grande-Rivière, il est vraiment reparti. Le but, ça serait de retirer le trottoir à partir de la rue de la Normandie jusqu'au pont de Grande-Rivière. C'est des travaux qui sont assez gros. Mais par contre, quand on considère que les trottoirs sont à refaire, les bordures à remplacer par le MTQ, au lieu de le réinvestir dans le même type dans le même type d'infrastructure, quand on sait que la demande citoyenne est autrement, puis que ça donne aussi l'opportunité à la municipalité de se refaire un visage neuf au goût du jour, puis selon les besoins des citoyens. Mais je pense que l'investissement en vaut la fière chandelle. Donc, on continue à travailler là-dessus. On va essayer de vous donner des développements au fur et à mesure que les prochaines assemblées municipales vont avoir lieu. Fait que, de façon générale, je pourrais commenter peut-être au fur et à mesure qu'on passe les autres points. Au niveau de l'urbanisme, c'est sûr qu'à toutes les fois que le printemps arrive, on poursuit dans nos dossiers là, avec des gens qui ont un peu d'amour à mettre sur soit leur bâtiment, leur terrain et tout. Donc, les mandats à la procureure de la municipalité, en tout cas, il y en a certains qui ont été donnés, mais suite à la séance de travail de ce soir, bon, on va rajouter d'autres points poursuivis un petit peu plus serrés que les autres. Donc, on poursuit tout le temps dans cette lignée-là d'améliorer la municipalité, l'ensemble des municipalités dans tous ces secteurs. Monsieur le maire. Bien, tandis que vous t'en parles, je pense qu'il reste pour glisser un mot pour les dodones, tout ça, là. Mais ça c'est de la petite poutine de chaque année. Dès que le printemps arrive, là, on a déjà commencé à faire le bouchage de trous, là, comme on fait tout le temps avec l'asphalte froide. On l'a commencé un petit peu plus de bonne heure que prévu, mais la grande différence comparativement à l'année passée, c'était la disponibilité de l'asphalte froide. L'année passée, c'était très difficile de l'avoir, mais cette année, on a fait nos commandes au mois de février pour l'avoir à temps, pour commencer le plus tôt possible. Mais on a eu de la neige après qu'on avait installé. Ça fait que le problème, c'est que quand tu passes la gratte après, il y en a une coupe que tu installes qui arrache, là. Mais à ce niveau-là, ça va bien. On s'est pris de bonheur à faire les registres, parce que le but, là, c'est d'avoir le minimum de réclamations. Ça prend du temps, t'sais, aux assurances pour des bris sur des véhicules. Fait que là, à date, on a eu deux réclamations. On a fait des règlements envers les citoyens. Mais sauf que ce qui est important, c'est de tenir le registre, de faire la tournée. Il y a des trous qui apparaissent à tous les jours. Donc, on les inscrit dans un registre justement pour les assurances, à la demande des assurances. Parlant des assurances, à partir de la semaine prochaine, le 26, à partir du 26, lundi de la semaine prochaine, on va avoir la visite de notre mutuelle d'assurance, la MMQ, qui va venir visiter 26 de nos installations de plus de 100 000 $. C'est une visite de courtoisie, une inspection des lieux pour s'assurer que les demandes d'amélioration locative ou de mise à niveau de nos infrastructures ont bel et bien fait, ou aussi de recevoir des recommandations pour des travaux à venir. Parlant de ces travaux-là, il y en a un qui faisait partie des recommandations de la MMQ, c'était de rebâtir notre abri à sel. Donc, à ce soir, on donne le mandat justement là, pour pouvoir faire les plans de devis puis l'estimation des coûts pour notre abri à sel puis d'abrasif qui est construit juste à côté de notre réservoir à essence et à diesel. Donc, cette année, c'était le dernier sursis d'un an pour pouvoir faire les travaux. Puis après ça, ça sera plus comme assurable nos tanks à essence si jamais on ne faisait pas les travaux cette année. Mais le but, c'est de les faire à la fin de l'été, début d'automne. Fait que là, on a déjà entrepris là, des mandats auprès des professionnels en ingénierie. Bien. Bien?
Et bon, juste avant de donner la parole, là, de poursuivre avec les autres directeurs présents, j'avais oublié, là, t'sais, étant donné qu'on est en vidéoconférence, je vais juste là, écrire là, l'arrêt, je vais juste citer l'arrêté ministériel pour étant donné qu'on est en vidéoconférence. En vertu de l'arrêté ministériel numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui est en date du 15 de mars 2020, conseiller de ville de Grande-Rivière est autorisé à siéger à huis clos et ses membres sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à la séance par tout moyen de communication. Dans une situation relative à la COVID-19, la ville de Grande-Rivière s'est prévalue de ses dispositions afin d'assurer la santé et la sécurité des citoyens, des employés et des élus. De plus, on les arrêtés ministériels numéro 2020-029 et 2020-049 des ministres de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020 et du 4 juillet 2020. La séance doit être publicisée. De ce fait, la vidéoconférence a été enregistrée et sera rendue disponible sur le site de la ville de Grande-Rivière. Mais nous, étant donné que c'est avec via la TV communautaire en direct, on est correct à ce niveau-là. Donc, pour poursuivre, là, je céderai la parole au directeur des loisirs, M. Philippe Moreau. Merci, M. le maire. Peut-être pour complémenter ce que M. le directeur disait tantôt, je suis bien confiant de relocaliser le parc pour les gens du Petit Fort-Beau, les jeux pour enfants, les balançoires, les bacs trois voies, les arbres. On a l'équipement, puis on va travailler à relocaliser ce parc-là dans les prochaines semaines. Aussi, je voulais dire que la neige a disparu un petit peu plus vite que prévu, fait que le pump track, on s'en occupe cette semaine, nettoyer la piste comme il faut, les abords, puis emmener l'estrade pour que les parents peuvent s'asseoir puis attendre les enfants. On va mettre aussi des bacs trois voies. Le terrain de tennis va être nettoyé, on va installer les filets aussi. Fait que l'hiver est parti un petit peu plus vite que prévu, fait que soyez confiants cette semaine, malgré la vaccination, malgré le COVID, malgré tout ça. Ben, il faut quand même respecter la distanciation, mais les équipements vont être prêts pour la fin de semaine. C'est tout, M. le maire. Donc, juste là, pour répondre à quelques citoyens du secteur de Port-Beau, là, je sais qu'il y a des gens qui nous posaient des questions concernant le parc. Comme vous le savez, il y avait des démarches qui avaient été faites là, avec un propriétaire pour faire l'acquisition d'un terrain. Sous toute négociation, on n'a pas pu s'entendre sur un prix. C'est une des raisons pourquoi que le directeur général et le directeur de loisirs vont regarder d'autres alternatives. Mais on a ce qui est prévu, là, on fait tout là, notre possible. Là. C'est sûr qu'il y a les mesures sanitaires, mais pour trouver là, un endroit du secteur pour installer là, un parc. Je passerai la parole au directeur du service incendie. Oui, bonjour, M. le maire. On va faire le petit rapport du mois de mars pour les interventions. La service d'incendie est intervenue à 9 reprises sur le territoire. Donc, 3 fois à Grande-Rivière, 1 fois à Sainte-Thérèse, 3 entraides à Channer, ainsi que 2 entraides à Percé. Le printemps aussi, c'est la période du grand nettoyage. Donc, on va demander aux gens d'éviter le plus possible de faire des feux d'herbe. Parce que l'an passé, en 2020, dans la période du 1er avril au 30 juin, le service d'incendie était appelé à 9 reprises. Et chaque fois que le service d'incendie se déplace, il y a un coût qui est rattaché à ça. Donc, ça coûte environ 1 000 $ par déplacement. Donc, c'est des sous qui pourraient être évités. Donc, cette dépense-là, si tous les gens font attention, ben, on pourrait éviter ces dépenses-là. C'est mon message. Du mois. Merci. C'est lui. Ça me fait penser, M. le maire, on parle avec le directeur incendie, c'est que j'ai reçu aussi une demande de relance du dossier des premiers répondants. C'est une demande qui nous avait été adressée l'année passée, puis que, tu sais, faute de temps à cause des grands dossiers, là, on l'avait mis en suspens, mais ça va être un dossier qu'on va relancer dans au courant du prochain mois. Les documents sont presque tous prêts. Là. C'était juste, ça prenait une petite poussée dans le dos là, pour nous donner la volonté de clore ce dossier-là. De toute façon, c'est un dossier qui est bon pour la communauté aussi. Le fait d'avoir des premiers répondants, ça peut juste être positif puis de diminuer les temps d'intervention. Effectivement. Merci. Et, je
Je passerai la parole à M. Éric Dubé. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Bon, nous, simplement pour vous dire que les travaux sur les nids de poules, l'asphalte froide, comme M. Cadmoreau disait tantôt, c'est commencé. On va s'affairer à ça toute la semaine et probablement une partie de la semaine prochaine. Par la suite, on va préparer nos balais pour notre grand ménage des rues. C'est ce qui va se faire là, dans les semaines suivantes. Là. C'est tout ce que je peux dire, Monsieur le maire, pour ce soir. Encore un complément d'information, si vous me permettez. Au niveau des travaux publics, un autre dossier qu'on relance pour cette année, ça va être la reconstruction de l'émissaire en mer SP1, donc celui qui est en face de chez Gérard Méta. Vous savez, l'année passée, on avait abandonné la reconstruction de l'émissaire à cause des dépassements de coûts, en tout cas, comparativement à l'estimé qu'on en avait, fait. Le plus bas soumissionnaire avait soumissionné à 725 000. Donc, on considérait que ces prix-là étaient pas réalistes par rapport à la capacité de payer de la municipalité. Par contre, il ne faut pas oublier de l'autre main qu'on est en défaut envers le ministère de l'Environnement, donc on est en non-conformité. Ça fait déjà depuis 2016 que la ville est en non-conformité. Ce n'est pas du tout qu'un manque de volonté de la municipalité, c'était au niveau financier. Donc, c'est un projet qu'on voulait mettre dans notre tête, la taxe d'assise sur l'essence. Mais c'est encore le même cas. Sauf que là, il y a des petites modifications au niveau des travaux qui vont nécessiter, à mon avis, nécessairement l'acquisition d'un terrain MTQ qui est voisin du nôtre. Donc, les démarches ont été faites au MTQ cette semaine. On a relancé ce dossier-là avec le MTQ à Rimouski pour pouvoir en faire l'acquisition ou du moins d'avoir une entente d'utilisation pour une partie parce que le nouveau profilage de l'émissaire va toucher une parcelle de ce lot-là. Donc, c'est un gros dossier. Là. En début, on le voyait très gros, mais comparativement à ceux qu'on est en train de travailler présentement, c'est un petit dossier. Donc, on a travaillé à actualiser les plans de devis et actualiser aussi l'estimation des coûts. Donc, ça, en principe, c'est d'autres travaux qui sont majeurs qu'on doit faire parce que encore une fois, cette semaine, on a, l'émissaire, vu qu'il est cassé, bien, dès qu'il y a des grosses tempêtes, on a eu les tempêtes du mois de décembre, ça a des répercussions ici à l'aube de la saison estivale, c'est que l'émissaire bouge puis ça fait déborder dans le camping, à côté du camping Baker, puis ce n'est pas des situations qui sont très, très plaisantes pour les propriétaires, autant pour M. Baker que M. Alain Méthode qui est dans ce secteur-là. Donc, ce qu'on a fait cette semaine, c'était une intervention mineure. On a creusé sur la plage pour dégager le tuyau, pour essayer de rétablir cette situation-là en attendant que les travaux puissent se faire à l'été. Ça fait qu'on va intervenir de cette façon-là, de façon temporaire. Parfait, merci. On sera rendu autour de table des officiers. Excusez, questions aux officiers. Okay, est-ce qu'il y a des conseillers qui auraient des questions là, au sujet qui a été traité? Okay, s'il n'y a pas de questions, on va aller direct au point 5. Directeur financier, compte à payer au 31 mars 2021. Il ne m'a proposé pas, résolu des membres présents, que soient adoptés les comptes à payer au 31 mars 2021, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 161 523,29. Conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé déposés par le trésorier. Je cède la parole à M. Denis Baudin. Oui, merci, M. le maire. Je me permets d'en nommer quelques-uns là, qui composent le 161 000. Il y a entre autres l'achat de chlore pour l'usine de normalisation de l'eau potable au montant de 14 000 $. Aussi l'achat de 4 pneus pour souffleurs au montant de 7 560. L'achat d'essence diesel, 14 000. Ensuite, je nomme les plus grosses. Les restants, c'est toutes des factures de routine pour le fonctionnement des divers départements. Ensuite, tenu à jour du rôle d'évaluation, une facture qui nous vient de la MRC du Rocher-Percé au montant de 18 600.
J'en ai une autre de l'achat d'asphalte froide au montant de 4 500 et aussi des intérêts au ministre des Finances, ministère des Finances, le SQAE, pour des intérêts sur la dette à long terme d'un montant de 10 250. Le restant, bien, c'est comme d'habitude, c'est toujours des factures de routine pour le fonctionnement des divers départements de la ville. Donc, j'en ferai la proposition, M. le maire. Parfait. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça prendrait quelqu'un pour seconder? Non, pas besoin. Non? On pose qu'à de telle immunité, que tout le monde est d'accord? Donc, point 6, point 7, 8, 9, 10, il n'y avait rien à l'autre jour. Donc, on s'est rendu au point 11, directeur général. Or, installation de compteur d'eau, autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation. Il m'a proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour l'installation de 70 compteurs d'eau. Donc, quelqu'un propose? Oui. Proposé par Christian. Gaston, ton bureau, ton micro t'est fermé, donc je vais te laisser. Je vais te laisser la chance. Si tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Parfait. Ouais. Point d'information, si jamais tout le monde est d'accord, l'ouverture des appels d'offres, ça va se faire mardi le 20 avril à 8 heures, puis on va ouvrir ce contrat-là pour 15 jours. Donc, l'ouverture, ça sera le 4 mai 2021. C'est pour qu'on commence à faire l'installation le plus rapidement possible. Puis, si je peux me permettre de relancer l'invitation à la population pour ceux qui veulent se faire installer un compteur d'eau, encore une fois, c'est pas pour charger l'eau. On en met 60 sur l'ensemble du réseau. C'est vraiment une quantité minimum. C'est pour respecter les objectifs de la stratégie d'eau potable du MAMH. Mais si les deux conditions, c'est pas bien, bien dur, bien, c'est-à-dire trois conditions. Si votre entrée d'eau est accessible, qu'on n'a pas besoin d'ouvrir un mur, okay, qu'on le voit, que vous avez une entrée, quel que soit le matériau, là, mais que vous avez une entrée 3/4 pouce avec une valve pour pouvoir fermer votre entrée, là, parce qu'il y en a qui ont des entrées d'eau sans valve, mais si vous avez une entrée d'eau 3/4 pouce avec une valve puis c'est accessible, vous êtes admissible à pouvoir vous le faire installer aux frais de la ville de Grande-Rivière. Donc, ça fait partie du contrat qu'on va attribuer à partir de mardi prochain. Merci. Esplanade de l'Église, octroi de contrôle gré à gré, l'atelier des paysages. Il est dûment proposé par et résolu des membres présents que dans le cadre du projet Esplanade de l'Église, le conseil municipal autorise son directeur général à signer un contrat gré à gré avec la firme d'architecture de paysages, l'atelier des paysages, concevoir un plan architectural et une estimation des coûts à la réalisation de ces travaux pour un montant de 3 240 $. Taxe en sus. Proposé par Gaston. Ouais, tout le monde d'accord? Parfait? Oui. Donc, c'est OMH de Grande-Rivière, approbation de budget révisé 2020 en date du 6 novembre 2020, attendu que la ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec. Le budget révisé 2020, en date du 6 novembre 2020 de l'Office municipal de l'habitation de Grande-Rivière, attendu que les montants indiqués sur ce budget révisé sont les suivants. Revenus 409 317, dépenses 1 273 913, attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 864 596. Pour ces raisons, il demande proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents. Le conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget révisé en date du 6 novembre 2020 et l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière approuvé par la Société d'habitation du Québec et autorise le trésorier à verser la contribution de la ville selon les modalités établies 10 % du déficit prévu. Juste avant de proposer, là, juste apporter un complément d'information, la dernière fois, c'était à l'heure du jour, ça avait été reporté. Il y a eu une rencontre, là, moi ainsi que le directeur général avec le président de l'OMH, avec son directeur, puis même avec un représentant là, de la Société d'habitation du Québec, pour échanger sur les points, là, parce que je n'ai pas expliqué, là, on était rendu au mois d'avril, on avait les informations au mois de novembre, on avait budgété un montant de 64 000, on était à 86 000 piastres. Il y avait une variation de 20 000, puis nous, ben, on veut travailler à partir de planification de budget.
Donc, tout ça pour dire qu'on a eu là, une très bonne conversation, des bons échanges d'un côté comme d'un autre. Puis je vous dirais qu'on a l'opportunité aussi que Raymond Chabot-Gwentorton, qui s'occupe là, des finances de la ville, c'est les comptables aussi pour l'AMH, qu'on avait certaines questions là, sur des résiduels, sur des montants des dernières années, parce qu'il y a des montants qui traînent de certains dossiers particuliers. Donc, le but, c'est d'avoir une mise à niveau là-dessus, s'assurer que les dépenses qui ne sont pas admissibles par la Société d'habitation du Québec avant de les encourir, c'est d'avoir l'autorisation de la ville. Donc, puis à ce niveau-là, tu sais, on est d'accord là-dessus. Donc, tout ça pour dire, c'est que depuis 2014, là, il y a certains frais, là, il y a certains dossiers qui n'étaient pas encore nécessairement réglés. Mais dans un commun accord, là, moi, j'ai demandé qu'on a toutes les informations puis qu'on sait vraiment ce qu'on est au niveau des montants résiduels qui resteraient à donner à l'OMH. Mais tout ça pour dire qu'on a une très bonne collaboration du président puis du directeur. Puis je vous dirais même qu'on va travailler ensemble pour s'assurer qu'à l'avenir, là, on va être en mesure de mettre là, peut-être des mesures pour sauver certains coûts dans lesquels là, que les montants sont assez hauts puis qu'on sera peut-être bien en mesure là, de faire une meilleure gestion. Donc, ça a été une très belle rencontre. Là. Ça faisait longtemps qu'on voulait la faire. On l'a faite puis ça nous a permis là, de pouvoir là, corriger la problématique parce que je pense que c'est pas la faute de l'OMH, c'est pas la faute du conseil d'administration. C'est que la Société de l'habitation du Québec là, sont comme 6 mois là, en retard au niveau des analyses. C'est fait en sorte que s'il y a toujours un décalage. Donc, mais je pense que tout le monde a bien compris le mandat, puis on va rectifier le tir là, pour la non-cours. Parce que cette rencontre-là, je voulais la faire, je l'ai faite, puis moi, c'était important la gestion des chiffres. Là, puis donc, là-dessus, là, on s'est entendu que pour la prochaine année, que s'il y a certaines dépenses qui n'étaient pas admissibles, ça prenait l'autorisation de la ville avant de la couvrir. Ça, c'était important. Donc, sur ces informations-là, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Denis. Donc, dossier D, programme PAVL, volet AIRL, rue des Pionniers, Bellevue, de l'Horizon, de la Croix et de Ruisseau, service professionnel en ingénierie pour plans et dévis, octroi de contrat. Considérant que la firme Tetra Tech QE Inc. a soumis une proposition de service professionnel pour la réalisation des plans et dévis dans le cadre du programme PAVL, volet AIRL, des rues des Pionniers, Bellevue, de l'Horizon, du Ruisseau et de la Croix. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal accorde un contrat de gré à gré à la firme Tetra Tech QI Inc. pour réaliser les travaux ci-haut cités pour un montant de 18 075 taxes en sus. Proposé. Proposé par Gaston. Donc, comme M. Moreau, directeur général, a expliqué tantôt, là, étant donné qu'on est dans le processus là, du réseau d'égouts d'Acaduc, on profite de l'occasion là, pour essayer de mettre à niveau là, certaines rues municipales là, du secteur. C'est ça, M. Moreau? C'est ça. Parfait. Le programme PAVL, volet AIRL, rue des Pionniers, Bellevue, de l'Horizon, de la Croix et du Ruisseau, autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière. Tandis que le directeur général a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voie locale PAVL, tandis que les interventions visées dans de la demande d'aide financière concernant des routes locales de niveau 1 et ou 2 et le cas échéant, que c'est visant le volet redressement sont prévus à la planification quinquennale triennale du plan d'intervention et obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Tandis que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la date d'annonce sont admissibles à une aide financière, tandis que la Ville de Grande-Vière s'engage à tenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant l'apport du ministère, tandis que la Ville de Grande-Vière a choisi d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux, tandis que le chargé de projet de la municipalité, M. Ken Moreau, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu des membres présents
Le conseil municipal de la ville de Grande-Vière autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. C'est à l'unanimité. Donc, tout ça pour dire, là, déjà là, que le projet de réseau d'égout d'Acaduc, là, comme vous le savez, là, c'est un processus qu'on a expliqué, là, qui demande plusieurs étapes. Donc, le directeur général a décidé de relever le défi de faire des demandes additionnelles pour aller chercher les aides nécessaires pour mettre à mise à niveau les rues du secteur. Donc, déjà là, pour le réseau d'égout Lacaduc, moi, je peux vous le dire là, qu'au niveau administratif, ça demande beaucoup de gestion et de formulaires à compléter. Donc, bon courage, M. Moreau. Ah, j'ai une bonne collaboration déjà. À date, là, j'ai une bonne réponse. Ça va bien. Oui, bon, ben, parfait. Tu vois, quand on a un directeur efficace, là, ça pour dire, c'est que c'est sûr que je veux dire, quand on a un directeur efficace, ben, il est en mesure de prendre plus d'un à la fois. Pour être efficace, c'est efficace. Oui. Prolongement du réseau d'égout, réseau d'Acaduc et d'égout du secteur rue des Pionniers, Bellevue de l'Horizon. Autorisation de signature d'entente de servitude et mandat notaire. Tandis que la ville de Grande-Rivière s'apprête à réaliser le projet de prolongement du réseau d'Acaduc et d'égout du secteur ouest. Tandis que des ententes avec certains propriétaires riverains des rues de l'horizon nord et sud, de la Bellevue et des Pionniers sont nécessaires pour acquérir des servitudes afin de permettre les travaux d'installation de canalisation. Tandis que, pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu les membres présents que le conseil municipal autorise son directeur général a négocié les modalités des ententes de servitude avec les propriétaires concernés. Il autorise son directeur général, sa greffière ou le maire à signer les dites ententes. Que le directeur général soit autorisé à engager les dépenses reliées à la préparation des actes notariés relatifs à ces servitudes. Que l'étude Jean Couture Notaire Inc. de Grande-Rivière soit mandatée à enregistrer ces servitudes au registre foncier du Québec. Que le directeur général et la greffière ou le maire soient autorisés à signer les dits documents notariés. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Denis Baudin. Denis, on ne l'entend pas? Ah, il lève la main. Prolongement du réseau des caducs et des égouts secteur rue des Pionniers, Bellevue et d'Horizon, services professionnels en arpentage, plans globaux des servitudes. Attendu que des plans de localisation des servitudes pour l'installation de canalisation d'Acaduc et d'égout doivent être réalisés pour l'enregistrement de l'acte notarié. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal autorise son directeur général à signer un contrat gré à gré avec la firme LSAG pour la réalisation des certificats de localisation des servitudes dans le cadre du projet CIO mentionné. Je propose. C'est des genres de résolutions que Léopold a proposées, mais... Il est absent. Mais dire demain matin que j'ai pris sa place. Oui. Donc, adopté à l'unanimité, tout le monde est d'accord avec ça? H, programme réfection et construction des infrastructures municipales récentes, réalisation des plans de délivrés avec estimation des coûts, octroi de contrat, et dûment proposé par résolu des membres présents, que le conseil municipal prend le contrat de réalisation des plans de délivrés avec estimation des coûts pour la construction d'un abri à ciel abrasif à la firme Quattro Consultant Inc. pour un montant de 21 000 $ taxe en sus. Faudrait que vous proposiez. Oui, M. le maire, c'est personne. On va dire proposé par Christian. Oui. Que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Et projet Pump Track, autorisation de remboursement des taxes sur les biens et services. Comité des loisirs de la ville de Grande-Rivière a attendu que la ville de Grande-Rivière a tenu le remboursement intégral de la taxe fédérale et 50 % du montant de la taxe provinciale dans le cadre du projet Pump Track. Tandis que les coûts de projet ont été acquittés par le comité de loisirs de Grande-Rivière. Pour ces motifs, il est demain proposé par et résolu les membres présents que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière autorise son trésorier à émettre un chèque de 9 742,38 au comité des loisirs de la ville de Grande-Rivière pour le remboursement intégral de la taxe fédérale TPS et 50 % du montant de la taxe provinciale TVQ dans le cadre du projet Pump Track. Propose. Proposé par Lucie. Je
J. Rescindé la résolution 057-03-21, vente d'un terrain de lot 5 649 746, rue du Parc. Il est demain proposé par résolu des membres présents que la résolution portant le numéro 057-03-21 soit rescindée et remplacée par la résolution numéro 0. Oui, c'est ça, mais c'est juste parce qu'on rescinde, mais le numéro va suivre. C'est ça. Ah, mais ça prendrait quelqu'un pour proposer ça. Proposé par Gaston. Donnez-moi pas trop de misère, je vous en regarde. Puis, Vente d'une parcelle de lot excédentaire, de lot 5 649 746, rue du Parc. Entendu que le 9 février 2021, le propriétaire du lot 5649741, Mme Suzanne Huard, a manifesté par lettre son intérêt d'acheter une parcelle du lot 5 649 746. Entendu que la parcelle du lot 5 649 746 est contiguë à la propriété de la démontresse et comble son besoin superficiel pour permettre la construction d'un bâtiment accessoire. Entendu que la Ville de Renvière a établi la valeur marchande de ce lot à 1 $ du mètre carré, pour cette parcelle n'a aucune façade sur la voie publique. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière autorise son directeur général a présenté une offre de vente à la demanderesse au montant de 510 $, que les frais de notaire et d'appointage soient à la charge de l'acheteur, que le directeur général et le maire soient mandatés à signer pour et au nom de la Ville de Grande-Rivière tout document relatif à cette transaction chez le notaire. Propose. Proposé par Lucie. Merci, Lucie. L. Cantine du Quai, modification de l'entente d'opération en période d'exploitation et amélioration locative. Tandis que l'exploitant de la cantine a fait une demande par écrit à la Ville de Grande-Rivière lui permettant d'opérer la cantine de quai jusqu'à la fin décembre, et ce, jusqu'à l'échéance du bail de location prévu en 2023. Tandis que des travaux de rénovation doivent être réalisés à l'intérieur du bâtiment afin de réparer certains bris et le rendre plus fonctionnel. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière autorise son directeur général à rouvrir l'entente intervenue le 19 décembre 2018 avec l'exploitant et de la renégocier à la satisfaction des parties. Je propose. Proposé par M. Baudin. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. M. Vente définitive immeuble adjugé lors de la vente pour défaut de paiement de taxe municipale du 20 février 2020 concernant l'immeuble acquis par la Ville lors de la vente par défaut de paiement de taxe du 20 février 2020, considérant que lors de la vente par défaut de paiement de taxe tenue le 20 février 2020, la Ville s'est portée adjudicataire de l'immeuble ci-après décrit, considérant que le décret prescrit d'un an est expiré et que le droit de retrait n'a pas été exercé, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 538 de la loi Cité et Ville, la greffière est autorisée à adresser en faveur de la Ville un acte de vente de l'immeuble ainsi acquis. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal autorise le maire, M. Ginoncier, à signer l'acte de vente dressée par la greffière en vue de l'acquisition par la Ville de l'immeuble suivant. Désignation Robin Jones et Whitman, chemin Saint-Hilaire, Grande-Rivière, Québec, GOC 1VO. Un immeuble situé de la Ville de Grande-Rivière Côte-Nord est désigné comme étant le lot 5 649 841 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Gaspé. Sans bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances. Il est de plus résolu que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. Que les frais relatifs à cet acte de vente soient à la charge de la Ville de Grande-Rivière et imputables au poste budgétaire, fonds des dépenses, immobilisation, achat de terrain. Oui. Proposé par Christian. Oui. Fait. Une nomination de représentants civils au sein du comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé est dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal de Grande-Rivière nomme par la présente M. Silvio Lebreu à titre de représentant de la société civile au sein du comité d'investissement socio-économique de la MRC du Rocher-Percé et ce jusqu'au 31 mars 2023. Proposé par M. Baudin.
Au projet Mordi Country, maison de la culture de Grande-Vierre, maintenant courant culturel Rocher-Percé, octroi d'une demande d'aide financière. Considérant qu'une entente tripartite est intervenue entre la ville de Grande-Vierre, la maison culture courant culturel et la MRC de Rocher-Percé, considérant que les coûts reliés à la présentation des Mordi Country ne font pas partie intégrante de la dite entente, considérant que la Maison culture de Grande-Vierre a déposé une demande locale d'aide financière de 6 000 $ pour réaliser ce projet, pour ces motifs, il lui a proposé par résolu des membres présents que le conseil municipal accepte d'accorder un montant de 6 000 $ à courant culturel Rocher-Percé dans le cadre du projet Mordi Country. Donc, juste avant de proposer, je veux juste vous dire, comme vous le savez, tu sais, au début, avec la Maison de culture, tu sais, on donnait un montant de 38 000 $ tu sais, qui a été revu à la baisse, un montant de, mettons, 15 000, l'année d'après 10 000. Par contre, ce que ça a permis, c'est que ça a permis aux autres partenaires de faire une compensation du manque à gagner de la ville. Et il y a une participation aussi supplémentaire des autres municipalités. Donc, nous, là, il y a comme deux volets. Il y a un volet MRC1, puis il y a un volet aussi plus local. Donc, au niveau de l'MRC, c'est déjà compris là, la partie locale là, dans laquelle on veut travailler. Mais on donne un montant de on fait une participation financière de 6 000 $ dans le cadre de ce projet-là, mais le 6 000 qu'on donne, il va dans une structure de financement d'environ 43 000 $ Tout ça pour dire que notre 6 000, là, il y a un effet de levier qui va nous permettre là, d'attacher une structure de financement de 43 000 $ Donc, qui va être vraiment là, au bénéfice là, de la communauté de la ville pour le projet Mordi Country. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Monsieur le maire, avant de proposer, Mordi Country, là, c'est des souhaits qu'on avait à l'avant d'église, les années passées. Oui, mais je vais laisser M. Moreau, Philippe Moreau, donner des informations. C'est à cause de la COVID, là, ça va-t-il y avoir cette année, c'est ça, là? Ben, normalement, je vais laisser la parole à Philippe. D'accord. Oui. Tu vois. Oui, Philippe. Là. Oh, OK. Excusez. Oui, Christian, regarde, c'est sûr que les Mordi Country, à l'heure actuelle, on a déjà des spectacles qui sont signés. OK? Ben, qui sont sur le bord d'être signés. On a trois spectacles prêts à signer. On va signer quatre spectacles. C'est sûr qu'on va suivre tout le temps l'évolution. Les contrats nous amènent à peut-être si COVID ou ces choses-là ou annulation des spectacles, ben, on monte ça en conséquence de ça. Puis avec la Maison de culture, c'est qu'il y a un partenariat aussi cette année avec le comité des loisirs. Bon. Parfait. On devra avoir de très bons groupes. Je ne vais pas nommer parce que les contrats ne sont pas signés officieusement, mais à la prochaine séance, on va annoncer qu'est-ce qu'on a comme groupe qui est signé. Ouais. Puis je voudrais rajouter une information. Là. Pourquoi les Mordi Country? Ben, comme vous le savez, il y a une tradition en Grande-Vierre de plusieurs années avec les chapeaux des artistes. Donc, les activités locales, ça a toujours été le Mordi, puis ça va rester le Mordi. Ça pour dire là, que c'est important de le mentionner. Ça commencerait les quelles dates, Philippe? Pour le mois de juillet, puis c'est sûr que cette année, on a éliminé les prix d'entrée et toutes ces choses-là, tout est gratuit. Oui, bon. C'est bon. Les quatre mordis de juillet. Bon. OK. Merci, Philippe. Puis, renouvellement d'adhésion CREGIM 2021-2022. Il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au conseil régional d'environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, CREGIM, pour l'année financière 2021-2022, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2021, au montant de 100 $ Proposé par M. Denis Baudin. Puis autorisation de l'adoption de la charte de l'enfant. En mémoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyr, 100e anniversaire de son décès et des autres victimes, considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants. Gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables.
dû à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. Considérant que la municipalité de Fortuville lance l'appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elle adhère au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elle en s'engage envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection des enfants. Considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants. Considérant qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement en toute confiance. Considérant qu'une municipalité bienveillante oppose des actions et de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources disponibles sur son territoire. Considérant qu'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants. En conséquence, il dûment proposé par et résolu les membres présents que le conseil municipal adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics. Favoriser la mise en place des lieux protecteurs ou des processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours. Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière. Favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges. Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance. Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants. Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants. Valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. Propose. Je prendrai quelqu'un qui propose. Puis, Madame Lucie, je veux juste que vous m'assurez. Je lis ça aussi ce soir. Il est adopté par résolution. Puis je veux m'assurer que ça soit bien intégré dans notre politique familiale. Là, oui. S'assurer qu'on a fait une revue de notre politique familiale, madame, que ces éléments-là, qu'il y a un plan d'action, puis qu'on s'assure effectivement qu'on protège nos enfants de notre communauté. Oui. Excusez, monsieur le maire, est-ce qu'il y a eu une proposition pour courant culturel pour les mardis? Est-ce qu'on a eu une proposition? Oui, c'est Denis. Oui, je pense que c'est Denis. C'est Denis qui l'a proposé. Je pense pas. Je pense que c'est Denis qui l'a proposé, Lucie. Mais tantôt? Oui. Marilyn, t'as-tu pris en note pour là, si il y a quelqu'un qui a proposé? Non, M. le maire, je croyais que c'était M. Moreau, Christian en parlant, qui avait proposé. C'était pas. C'était pas Denis. OK. Ben, c'est parce que. Au moment ben là, c'est qui l'avait proposé? C'est-tu Denis ou c'est Christian? Non, c'est pas plus grave que ça. On va mettre Christian. Oui. Je sais que Christian a posé la question, mais il me semble de mémoire, tu sais, Denis. Denis, OK. Ouais, je vais noter que Denis a proposé. Merci. Oui. C'est bon, Madame Nicolas, parce que si en même temps, il n'y aura personne qui a proposé. Hein. Donc, R, proclamation de la promotion de la santé mentale. Considérant que promouvoir la santé mentale, c'est d'agir en vue d'accroître ou maintenir le bien-être personnel et collectif. Considérant que les facteurs de robustesse en santé mentale contribuent à la santé mentale de la population de tous âges. Considérant que le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale du mouvement santé mentale de ses groupes membres ont lieu à l'occasion de la semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai 2021. Considérant que la campagne vise à faire connaître un facteur de robustesse, ressentir, c'est recevoir un message. Considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois individuelle et collective, partagée par tous les acteurs et actrices de la société, et que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu des membres présents. Le conseil municipal de Grande-Rivière proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce « Ressentir, c'est recevoir un message » et à participer à la campagne annuelle de promotion
de la santé mentale du mouvement Santé mentale du Québec? Propose. Proposé par M. Leblanc. Je pense que ça n'a jamais été plus d'actualité que celui-là avec la pandémie, là, la santé mentale. Oui. S, demande de dons commandites et dûment proposé par et résolu des membres présents que suite aux demandes de dons et aux commandites reçues des organismes ci-après identifiés. Le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de 472 $. Fondation Durand, 25 $. Lucan, 50 $. Comité d'action bénévole Gaston Percé, 397 $. Mais c'est quoi le Lucan? Bonne question. Ken? Quand c'est je vais laisser Ken. Pour le cancer? Oui, c'est pour le cancer, oui. Oui. C'est bon? C'est bon? Parfait, M. C'est 12 urbanistes. Avis de motion de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage U006-0319. Considérant la volonté de la Ville de Grande-Rivière de modifier le règlement de zonage U006-0319, article 7.3.2.3, superficie maximale totale des garages, remises et serres isolées du bâtiment principal. La conseillère donne avis de motion qu'il y a une séance ultérieure de ce conseil. Cet effet sera adopté. Oui. Proposeur, Christian? Oui. Okay. Donc, ça, c'est notre fameux règlement là, qu'on travaillait, qui a pris un peu de temps là, avec l'histoire de la COVID, puis faute de ressources aussi au niveau de la MRC. Là, ce qui fait en sorte là, que le dossier au niveau des vannes là, qu'on voulait là, éliminer, là, entre autres, sur le corridor de la 132. Là. Il était comme inactif, puis on avait demandé là, à plusieurs propriétaires de se départir de les vannes pour avoir peut-être là, construire des garages, là, remplacer les garages. Donc, il y a certains qui voulaient faire des agrandissements, mais ils ne veulent pas nécessairement. Là, le terrain, la grandeur du terrain. Donc, il y a des modifications qui étaient faites. Là. On était à l'écoute là, d'une bonne partie des gens qui sont venus nous voir et qui veulent là, régulariser leur situation. Donc, ce dossier-là, à soir, il a vie de motion. Éventuellement, il y a un petit travail qui est d'ordre technique qui reste à faire au niveau de la MRC pour faire là, l'adoption du règlement, là, comme qui vient d'être expliqué, qui va être passé à une séance du conseil. Là, peut-être le prochain mois ou ben, le mois suivant. B, demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro U007-0319, lot 5 294 285, matériaux 300 Inc., indûment proposé par résolu des membres présents, que suite à la demande de dérogation mineure au règlement de lotissement U007-0319, déposé par les matériaux 3C, LTE, et suite à l'avis d'opinion numéro 003.21 émis par le comité consultatif d'urbanisme en date du 11 mars 2021, le conseil municipal accepte l'avis de demande de dérogation mineure à l'effet de réduire le frontage minimal de 45 mètres à 34,81 mètres afin de permettre la création du lot 6430104 ayant façade sur le chemin des Bois. Ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par M. Leblanc. C'est demande de permis de construction, lot 5 649 958, chemin des Bois. Il m'a proposé par résolu des membres présents que suite à la demande de permis de construction déposée, suite à la décision numéro 008-21, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 8 avril 2021. Le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction des bâtiments principaux résidentiels sur le lot 5 549 958 ayant frontage sur le chemin des Bois, le tout étant conforme aux exigences du règlement U009-0319. Je propose. Proposé par Mme Nicolas, ici. De demande de permis de construction numéro 6321074 rue Jonca. Il m'a proposé par et résolu des membres présents que suite à la demande du permis de construction déposée et suite à la décision du numéro 00921, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 8 avril 2021,
Conseil municipal accepte l'édit de demande de permis concernant la construction des bâtiments principaux résidentiels sur le lot 6 321 $74 en frontage sur la rue Joncourt, le tout étant conforme aux exigences du règlement U009-0319. Ça prend un proposeur. Je propose. Proposé par exemple. Donc, on serait rendu à information au conseil et correspondance. 8h36. Normalement, on fait ça à 9h moins quart. Ben, avant que je commence le mot de maire, du maire correspondance, c'est que je vais juste là. Es-tu mieux à attendre à 8h45, Ken, où présentement, je n'ai pas eu de courriel. Tu as fait un avis là, sur Facebook là, de la page de la ville. Là. Peut-être juste préparer les gens s'ils ont des questions à les, okay, parfait. Les envoyer. Donc, c'est ça. S'il y a des gens qui ont des questions là, comme qui a été soumis par l'avis sur la page Facebook, là, vous pouvez me texter directement sur mon cellulaire 418-782-4364 418-782-4364. Je vais faire le mot du maire ainsi qu'au niveau de la correspondance. Bon, au niveau du propos du maire, je vais commencer par le propos du maire, puis après je vais aller au niveau de correspondance. Comme vous le savez, la ville de Grande-Vierce, la semaine passée, là, on a eu une très belle annonce. L'annonce, là, entre autres, là, du hub d'innovation halieutique, là, une contribution du MEI là, d'un montant de 17 300 000 sur un coût de projet de 20 millions. Normalement, les ministres, là, Mme Marie-Ève Proulx, est supposée de descendre. Là, un instant. Et, parce que là, il y en a un qui a signé m'appeler. C'est pas m'appeler, c'est m'envoyer un texto. Marie-Ève Proulx là, était supposée de descendre, puis comme vous le savez, la cause là, des resserrements des mesures, bien, ça a été reporté. Ça s'est tenu là, par webinaire, mais je vous dirais qu'au départ, là, on avait été convoqué, monsieur le directeur, puis le directeur du service des loisirs avait tout fait la préparation pour tenir cet événement-là au centre communautaire là, du complexe sportif là, des Jardins. Puis on avait su comme la veille que, faute d'horaire serré, d'itinéraire, qu'il voulait faire la conférence de presse là, à Gaspé, à cause que le siège social de Mérina était à Gaspé. Que c'est sûr, certain que, comme une municipalité en tant que partenaire qui travaille sur ce dossier-là depuis le début, moi, c'est sûr, certain que j'ai fait les démarches là, pour autant auprès du directeur puis autant des instants du MEI. Pour leur faire comprendre que c'était un dossier dans la MRC Recherche Percée, puis entre autres à la municipalité et à la ville de Grande-Vierre. Donc, moi, là, c'était important que cette conférence-là se fasse là, directement sur place. Donc, le lendemain, là, tous les échanges, là, il y avait été entendu que ça se faisait là, un complexe sportif là, à Grande-Vierre. Mais comme on peut le savoir, le mardi soir, on a eu là, par le premier ministre là, des mesures de resserrement qui font en sorte que tout a été fait là, à distance. Donc, il reste que c'est une belle annonce. Normalement, là, en présentiel, je pense que j'arrêterai là comme participant dire un mot, mais ce qui est important, c'est le résultat. Donc, comme vous le savez, le hub d'innovation faisait partie un peu des trois priorités du conseil municipal. Donc, l'autre priorité qui est le réseau des goûts d'Acaduc, qu'on est en démarche présentement, là, terminer les plans de devis pour aller en appel d'offres. Puis, il y a le troisième projet, entre autres, du parc d'hivernage de bateaux. Donc, que je vais vous parler là, tantôt, là, faire un petit peu un suivi, ça fait partie aussi de mes suivis. L'autre dossier que je veux parler, le centre de vaccination communautaire complexe sportif des Jardins de Grande-Rivière. Mercredi cette semaine, là, il va avoir, là, il y a eu des vaccins là, pour les sans rendez-vous. Donc, de 8h jusqu'à 17h, là, ça va être sur place. Je vous dirais que moi, comme maire, comme premier citoyen de la ville, je pense que le conseil est en nous, là, on est très satisfait du déroulement.
On n'a que des bons commentaires là, de l'ensemble de la population qui vient. Je ne reçois que des beaux messages. Que tout ce qui est toujours m'exprimer, c'est qu'ils sont pris à la main, au stop, puis jusqu'à l'entrée. Puis tout se déroule normalement dans un délai d'une demi-heure. Donc, pour la plupart des personnes âgées, ce qu'ils avaient besoin, c'était... il y avait beaucoup d'incertitudes, d'inconfort. Donc, je pense que vous faites une super de bonne job. Autant là, les pompiers, les ambulanciers, le personnel... à l'intérieur, là, je suis allé quelques reprises, puis je peux vous dire que, en tout cas, moi, je suis très satisfait. Là. Je pense qu'on a été proactif là, d'interpeller le CIS pour offrir le complice des jardins, mais je pense qu'on a fait de quelque chose de bien parce que nous, ce n'est pas une question de dose. Ce que je veux dire, c'est juste une question de dose parce que si les doses, là, on aura les vaccins nécessaires. À 1000 personnes par jour de vaccination. Là. Puis quand tu te fais dire par le CIS de la Gaspésie qu'on est la référence dans l'Est du Québec, là, ben, on est très fiers de ça. Donc, je tiens à remercier là, tout le monde qui ont fait d'excellents commentaires. J'ai même reçu là, des lettres là, tantôt, là, je vais le mentionner, là, mais j'ai reçu là, des gens qui nous ont écrit pour nous remercier. Donc, on est très satisfait de ça, puis juste en fin de semaine, là, on a pratiquement, là, je pense qu'il y a pratiquement 1700 personnes là, la fin de semaine qui est passée, c'est pratiquement 10% de la population de la MRC. Là. Donc, c'est très encourageant, donc bravo à tout le monde. Là. Je sais que tout le monde là, est partie prenante là, de ça. Réseau d'égout d'Acaduc, je pense que M. Moreau là, l'a très bien exprimé. Là, je pense que, comme il l'a dit, là, je pense qu'à partir après la séance, ils sont donnés un peu, lui puis Marilyn, la greffière, un objectif là, d'atteindre là, un nombre là, de servitudes qu'ils ont besoin là, dans un délai très, très serré. Donc, puis les informations que j'ai présentement avec la firme de génierie, tout va bien, là. On est vraiment là, dans notre target là, de la planification qu'on avait mis de l'avant là, pour faire le dépôt en Léon-Napoli. Ça va bien à ce niveau-là. L'autre dossier que je voulais parler, parc d'hivernage à bateau de Rambière, ben, vous le savez, c'est un dossier qui fait beaucoup d'actualité. C'est un dossier qui fait beaucoup d'actualité parce que c'est un dossier qui est super bien monté. Le plan d'affaires est solide. On a une contribution financière du milieu. Puis je vous dirais que moi, ce qui me réconforte là-dedans, là, autant que ça a été parlé pendant l'annonce là, du hub d'innovation, c'est qu'en date du 31 mars là, 2021, puis je pense que je vais prendre le temps de le lire parce que je sais qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui étaient à l'écoute. Puis, il y avait une certaine inquiétude parce que le début de la saison de pêche, là, c'est pratiquement dans deux semaines. Donc, mais les efforts puis la pression est toujours là. Donc, je pense que c'est important là, que vous preniez connaissance du contenu. Donc, c'est une lettre là, qui est adressée par le ministre de la Montagne directement à Mme Bernadette Jordan, qui est la ministre des Pêches et Océans de la Garde Côtière canadienne. C'est en date du 31 mars 2021. Madame la ministre, nous sommes rendus à la veille du deuxième anniversaire du Fonds des pêches du Québec. Ce programme, qui est un bel exemple de collaboration entre nos gouvernements respectifs, a contribué jusqu'à maintenant à la réalisation d'une trentaine de projets innovants, et ce, dans le but d'aider l'industrie des pêches de l'aquaculture du Québec. Bien que le nombre de projets approuvés a quadruplé au cours de la deuxième année par rapport à la première année de mise en œuvre du programme, je constate que nous sommes encore très loin des prévisions en termes d'aide financière aux intervenants du secteur des pêches et de l'aquaculture. En effet, sur un fonds total de 42,8 millions, seuls 5 millions ont été accordés depuis le lancement de ce programme en avril 2019. Or, en se basant sur les prévisions annuelles, 17 millions auraient dû être utilisés avant la fin du mois de mars, soit plus de trois fois le montant déployé jusqu'à présent. Nous avons actuellement l'opportunité de rattraper notre retard. Le Fonds des pêches Québec doit contribuer davantage au développement et à l'adaptation du secteur des pêches de l'aquaculture commerciale. Pour en avoir apporté, il est souhaitable que nous élargissions
l'interprétation du programme, notamment dans notre compréhension du concept d'innovation. Cela pourrait également nous conduire à considérer des projets comme le parc d'hivernage de bateaux de grande rivière, un projet qui répond à un enjeu sectoriel important en termes de sécurité des pêcheurs et l'efficacité de leur opération. D'autres projets aussi, comme l'acquisition d'équipements qui permettent d'accroître l'efficacité de la pisciculture, la réduction de la consommation d'énergie ou la protection de l'environnement, l'amélioration de la qualité des produits marins à bord des bateaux de pêche, l'installation des leviers ou encore l'acquisition d'équipements visant la sécurité à bord des bateaux ainsi que la protection des pêcheurs contre le COVID-19. Je compte sur votre précieuse collaboration pour sensibiliser votre équipe dans le but d'élargir l'interprétation des critères d'admissibilité des projets présentés dans le cadre du Fonds des pêches du Québec. Dans l'attente d'une réponse, j'espère favorable, je vous prie d'agir, Madame la ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs, le ministre André Lamontagne. Que moi, je peux vous dire, en tant que maire de la municipalité, malgré toutes les démarches qu'on a faites au niveau administratif et les pressions un peu au niveau politique, quand tu réussis à avoir une lettre, de mettre la main sur la lettre que le ministre des Pêches du Québec demande au fédéral, les mêmes revendications qu'on fait présentement, puis cite le projet du parc d'hivernage à bateaux de Grande-Rivière comme exemple, que je peux vous dire, quand les gens se posaient la question, est-ce qu'il manque de quoi au projet? C'est pas le projet, là, c'est un projet très structurant. La mise de fonds est là. La seule problématique, c'est étant donné que c'est des projets ponctuels, il n'y a pas de programme régulier qui venait financer ce genre de dossier-là. Mais par contre, moi, je suis très confiant. Puis, je suis sûr et certain qu'on va arriver là, à une solution là, à court et à moyen terme pour pouvoir financer le parc d'hivernage de bateaux de Grande-Rivière. Je pense que c'est important que je vous le mentionne à soir parce que je sais qu'il y a des pêcheurs qui se posent des questions, qui nous interpellent. Mais je pense que le ministre des Pêches là, est assez ferme. Parce que là, on est en tente du fédéral. Puis, tout dépendant de la réponse fédérale, ben, le gouvernement du Québec, là, je considère qu'il doit réagir là, pour s'assurer de la sécurité des pêcheurs. Droit de passage pour préserver l'accès de la passerelle au cru de Montanage. Donc, ça, c'est au niveau de l'information, c'est que je vous dirais qu'on a été interpellé, la municipalité, autant par un propriétaire de l'eau privée, entre autres le représentant de la propriétaire. On avait le sentier du Rocher Percé, conseil de fabrique, le club de VTT. Il y avait des discussions qui avaient été entre chacun des groupes, mais que indirectement la ville, on était un peu interpellés là-dedans. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'une première étape, c'est qu'on a rencontré individuellement chacun des intervenants pour voir un peu qu'est-ce qu'on était au niveau des échanges. Mais ce qui est important, nous, une municipalité, là, on n'est pas un tribunal. Tout ça pour dire, c'est que nous, on est là pour les intérêts aussi de la communauté. Puis, il y a un investissement qui a été fait dans le passé par le gouvernement du Québec, là, entre autres une passerelle de pratiquement de 1,3 million de dollars pour donner accès là, au motoneige puis au VTT. Que, moi, ma préoccupation, là, que, étant donné que dans notre planification stratégique, là, le développement régio-touriste est très important pour la communauté. Donc, on veut s'assurer que l'accès du passage puisse se faire de la passerelle jusque... jusqu'au bâtiment là, du club de Montanage. Puis peu importe la démarche qui soit faite, là, c'est sûr et certain qu'on veut que ça soit fait là, de façon là, en adoptant les bonnes pratiques. Là, donc, on veut s'assurer de ce processus. Donc, il y a certains échanges qui étaient faits. Donc, nous, la Ville, on est quand même pas un partenaire interpellé là-dedans. Donc, la prochaine étape, là, ce qui était convenu, c'est que suite à certaines informations qui est demandées, le directeur général là, va convoquer l'ensemble des intervenants pour arriver à une discussion parce que nous, ce qui est important, c'est s'assurer de préserver là, la saison touristique pour les VTT ainsi que pour les motoneiges là, à partir de l'année prochaine. Tantôt, on a parlé de air ouverte. Donc, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle
Je veux juste féliciter le conseil d'administration là, de l'audace qu'ils ont eue d'avoir changé un peu leur logo qui est passé maintenant courant culturel. C'est sûr, certain que super de belle présentation. Quand tu arrives avec le final, le produit final, c'est un gros changement, mais plus que tu le regardes, plus que tu le vois dans les documents visuels, puis les orientations stratégiques qui veulent ressortir. Là, moi, ça me rejoint. Ça me rejoint là, côté culturel. Là, c'est très important pour un MRC. Je pense qu'il y a un certain dynamisme qui a été mis en place. Je ne peux que dire bravo. Je pense que vous avez une bonne ressource aussi en tant que Samuel, là, mais toute la femme, là, j'en ai que des bons commentaires. On est très chanceux, là, Grande-Rivière, d'avoir là, cet organisme-là dans lequel que le siège social va demeurer à Grande-Rivière. Participe aussi là, aux activités d'aider la bibliothèque là, de mieux s'épanouir. Puis ils vont s'intégrer graduellement aux activités de la MRC. Là. Mais je pense que bravo, vous êtes en bonne main. Je pense que vous avez juste des beaux projets à soulever pour les prochaines années. Les printemps est arrivé, j'ai presque terminé. Là. Printemps est arrivé, on ne se le cachera pas. Là, c'est un site, là, on entend parler des nids de poules, les certaines vagues dans les rues, que ce soit la rue Bellevue, chemin des bois, on parle des dodans, de vitesse. C'est ma quatrième année comme maire, puis à tous les printemps, c'est la même chose. Je pense que le directeur général était clair tantôt, directeur de travaux publics. Là, on a mis des mesures en place politiques. On fait de notre mieux. On essaie de planifier là, l'ensemble des travaux pour s'assurer qu'on a toujours à cœur là, la sécurité, là, autant là, des citoyens, des cyclistes, des piétons, etc. Tout ça pour dire que à chaque printemps, je sais que les conseillers, vous allez vous faire interpeller, mais moi, je veux lancer un message à la population, là. C'est que on a beaucoup de projets sur la planche, puis ces dossiers-là, ça fait partie du quotidien, que ça fait partie de la programmation, puis je suis convaincu que le directeur de travaux publics, puis autant que le directeur général, il essaie de bien planifier pour s'assurer de répondre là, à l'ensemble des travaux. J'ai été interpellé aussi pour le bâtiment à air ouverte pour savoir là c'est quand qu'on était pour débuter les travaux. Je sais que maintenant là il y a une nouvelle directrice qui a pris le dossier en main. Vous avez été interpellé, mais je sais qu'il va y avoir éventuellement une rencontre. Mais ce que nous ce qu'on attendait aussi c'était qu'il était supposé avoir une consultation auprès des jeunes 12-25 ans pour s'assurer quel type de bâtiment qu'il était pour avoir. Fait que je pense que lors de cette rencontre-là, ça va nous permettre de savoir c'est quel genre de bâtiment d'infrastructure que les gens s'attendent. Puis je vous dirais que on veut profiter aussi de l'occasion, c'est que peut-être le mois prochain, là, on va être en mesure de passer en avis de motion les incitatifs financiers qu'on va mettre de l'avant. Entre autres pour le développement résidentiel. Je fais part aussi qu'on a des projets sur la table pour secteur résidentiel pour petites maisons, ainsi que, étant donné que maintenant on est propriétaire du BMR qui va transférer une nouvelle vocation caserne de pompiers, mais une partie de ces terrains-là va être utilisée aussi pour aller en appel d'offres là, pour la construction de blocs appartements. Bloc appartement, entre autres, là, des 3,5, des 4,5. On va privilégier les 4,5. Pourquoi 3,5, 4,5? Ben, ça sort d'une étude qui a été faite par le Carrefour Jeunesse Emploi là, versus pour savoir c'est quoi les besoins exprimés. Donc, nous, au niveau de la MRC, là, on a même demandé à Raymond Chabot-Wintorton de faire une étude pour connaître un peu les incitatifs que les entrepreneurs auront besoin pour faire la construction. Puis, il y a aussi le défi de service de garde. Donc, avec l'annonce qu'on a eue, le hub d'innovation, comme vous parlez, qu'on veut préserver les emplois, puis création de 25 emplois supplémentaires, puis avec l'ensemble des projets, on veut faire de Grande-Rivière une attraction. Donc,
Ça pour dire, c'est qu'on va avoir besoin d'hébergement. Donc, nous, avec la Corporation de développement économique, la Ville, on est en train de mettre les choses en place pour s'assurer là, de compenser un peu les manques là, dans lesquels les entrepreneurs ont besoin, les petits coups de boulot supplémentaires qu'ils ont besoin pour aller de l'avant avec les projets. Donc, je veux juste rassurer les gens, là, si les gens pensent qu'on n'est pas à l'écoute des gens au niveau des besoins d'hébergement, services de garde, on n'est pas nécessairement toujours sur Facebook là, pour annoncer des choses. Ben, nous, là, on passe de parole à l'acte. Tout ça pour dire qu'on est en train de travailler, puis mec, qu'on va passer de l'avis de motion, c'est parce qu'on va être prêt. Puis nous, moi, j'ai un objectif que cette année, là, on veut aller de l'avant pour faire un appel d'offres, pour faire la construction de blocs appartements, pour être en mesure là, de combler les besoins. Parce que, entre autres, le hub d'innovation, on parle d'une construction qui va prendre 2 ans. Moi, je veux déjà là, commencer là, pour être en mesure d'offrir des hébergements de qualité à Grande-Rivière. Et moins 5, là, la dernière chose que je voulais vous parler, là, si les gens ont vu, là, c'est un peu, ça fait partie de la planification stratégique. Là. Aujourd'hui, là, j'ai mis en ligne une vidéo, puis je vous invite à le voir là, sur la page du maire, puis aussi sur la ville de Grande-Rivière. C'est que la développement économique à travailler là, avec, entre autres, divers partenaires, la municipalité Sainte-Thérèse-de-Gaspé, la MRC, pour mettre en place une vidéo. Parce que la Corporation de développement économique, on est dans un processus présentement pour un dépôt, pour une demande de zone d'innovation. Le gouvernement du Québec, là, c'est un projet dans lequel le MII a mis en place. Il y a environ à peu près 30 de demandes au Québec. Notre projet a été retenu. On parle d'un projet d'investissement d'à peu près de 258 millions pour les 5 prochaines années, puis 200 millions d'investissements privés. Donc, là, je vous dirais que c'est assez pressant. C'est que je vous dirais que lundi passé, j'ai su que lundi cette semaine, on avait une rencontre avec le représentant au niveau des zones d'innovation. Donc, j'avais, entre autres, là, 6 jours pour faire une vidéo promotionnelle. Donc, on a dû là, passer par quelqu'un qui avait déjà des images, qui avait déjà certains équipements. Puis, en réalité, au lieu de prendre des nouvelles images, c'est qu'il a utilisé un peu les images là, qu'il y avait en banque parce qu'il avait fait beaucoup de reportages pour TELUS, là, à Ville de la mer. Donc, moi, je suis quelqu'un qui encourage beaucoup le local. Ce que tu pour dire, c'est que oui, peut-être qu'il y a des entreprises qui n'ont pas été interpellées. Je pense entre autres à TV communautaire, certains consultants. Mais l'objectif, là, c'est que les vidéos promotionnelles, s'ils permettent de nous apporter, là, ça serait juste 25 % des retombées économiques qui est prévu de 260 millions. Bien, c'est sûr, certain que l'ensemble du local va en profiter parce que ça va donner des contrats. Fait que quand tu dois livrer quelque chose dans un délai aussi pressé, ben, il faut trouver une façon, puis ça, c'était la seule façon dans laquelle que j'ai été en mesure de pouvoir là, de livrer la vidéo promotionnelle. Je pense que c'est important aussi de venir préciser cette information. Moi, j'ai fait pas mal de tours. Là. Je vous dirais que je vous ai parlé là, du parc d'hivernage de bateaux. On a parlé tantôt du hub d'innovation. Il y a le communiqué de presse que je vous demande d'aller voir. Donc, c'est les lettres aussi là, de Mme Hélène Coton-Soulin qui nous avait écrit. J'ai M. Denis Baudin aussi, André Baudin, excusez, qui nous avait écrit là, pour, entre autres, là, le dossier, le sondage au niveau de l'Église. On dirait qu'on manque de temps. On a plusieurs projets. J'aimerais ça être en mesure de vous donner le maximum d'informations. Mais là, écoutez, je pense que j'ai fait pas mal de tours. Je vais passer, là, avant de passer la parole au conseiller, je vais regarder si j'ai reçu des messages. OK. OK. J'ai eu un message. Ben là, on va aller, c'est comme si on y gérerait la levée de la séance pour aller là, à parole au public. Donc, j'ai eu là, une demande de Mme Monique Doucet
qui aimerait faire une motion de félicitations à l'équipe en loisir d'avoir permis à la population des aînés de 55 ans et plus d'avoir marché sur la piste d'entraînement située à l'aréna. Un minimum de 44 personnes ont marché pendant 6 semaines, minimum 2 jours, semaine du 28 septembre au 9 avril. Ce projet a été réalisé avec la collaboration du club de marche Les Petits Pas de Grande-Ville. Ce projet Jouant dehors a été initié par une ressource MRC, soit Mme Émilie, ressource en loisirs au centre de la MRC. Bravo, vous avez permis à plus de 44 personnes de passer un bel hiver en faisant de la marche sportive dans un endroit sécuritaire, toujours dans une période de COVID. Gros, merci au directeur loisirs Philippe de nous avoir permis d'agrémenter nos marches avec de la musique. C'est le seul message que j'ai eu. Donc, tout ça pour dire, vu que je n'ai pas d'autres messages, on va revenir à la séance. Je prendrai quelqu'un là, pour réouvrir là, la séance. Denis? Donc, on va y aller, là, Valérie est possible. On va commencer avec M. Moreau, Christian Moreau. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, M. le maire, j'aurais seulement un point. Vous savez que vous m'avez mandaté pour représenter la ville avec le club Optimiste, donner les correspondances. C'était pour vous annoncer, M. le maire, que cette année, le club Optimiste va fêter son 40e anniversaire. Ça fait que depuis la fondation du 40e anniversaire, il reste 3 membres qui ont resté. Je voudrais les nommer, M. Jean Dubé, Grande-Ville-Ouest, Serge Mercier et moi-même, Christian Moreau. Ça fait que c'est ça, M. le maire, puis le club Optimiste, pour dire qu'il est encore vivant, il va toujours être là autant aussi longtemps que au moins ces 3 membres-là vont être faits, puis on prend ça à cœur, puis on lâche pas. Même si la COVID est là, même si l'hiver, on a encore donné, puis mais que la COVID est finie, on va reprendre nos rôles avec les gens. Merci bien, M. le maire, c'est tout. Merci. Donc, Léopold, pas là, Mme Nicolas, ici. Merci, M. le maire, bonsoir à tous. Je vais vous parler du plan d'action MADA. Le comité aviseur a prévu de 4 rencontres en avril. Nous travaillons présentement sur un feuillet d'informations à remettre aux personnes âgées qui préfèrent un format papier ou les personnes qui n'utilisent pas Internet. Et ensuite, pour les personnes qui désirent faire du jardinage cette année, nous avons des emplacements à offrir au jardin communautaire. Et tout ça gratuitement. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec M. Philippe Moreau, 418-385-2258. C'est tout, M. le maire. Merci, Lucie. Donc, M. Leblanc, Gaston. Bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire. Pour moi, ce soir, j'ai rien de spécial à dire, vu que je suis au travail plus que souvent que d'autres choses. Là. Mais je voudrais dire au monde de la sécurité et de faire attention. C'est tout pour moi ce soir, M. le maire. Merci, Gaston. M. Denis Baudin. Merci, M. le maire. Moi, je voudrais à mon tour saluer l'annonce du MEI concernant le Hub Innovation. La contribution financière de plus de 17 millions, là, c'est quand même considérable. Mais je voudrais également saluer le travail qui a été fait par vous, M. le maire, puis par le directeur général, M. Moreau, dans ce dossier-là. On sait que ça fait depuis plus de 3 ans que vous y mettez acharnement. Puis s'il voit le jour, bien, c'est un peu grâce à vous deux aussi, là. Ce n'est pas nécessairement seulement la direction de Mérina et tout, mais vous y êtes pour quelque chose à vous deux. Donc, je tenais à souligner. Pour enchérir aussi également sur la route verte, sur la piste cyclable, tantôt que M. le directeur général parlait, là, c'est entre autres aussi pour rendre. On sait qu'il y a un tronçon de route de la route verte qui n'est pas accessible. Puis c'est le bout là, que Kent parlait tantôt, là, de la rue Normandie à aller au pont là, qui longe la Grande Rivière. Donc, oui, c'est pour une partie de nos citoyens locaux, mais c'est aussi pour. On sait qu'il y a de plus en plus de cyclotourisme qui se fait. Donc, les gens qui proviennent de l'extérieur en vélo, puis qui utilisent leur GPS, bien, quand ils arrivent au pont de Grande-Rivière, bien, ils sont perdus. S'il n'y a plus d'indications sur le GPS. Donc, c'est aussi en partie pour ça, là, on veut rendre ce tronçon de route-là
de la route verte là, accessible pour l'ensemble de la population. Maintenant, concernant la vaccination que vous avez parlé tantôt aussi, moi aussi, de mon côté, j'ai reçu beaucoup de commentaires, de bons commentaires, pas seulement, oui, au niveau de l'organisation, mais aussi pour la beauté du complexe sportif des Jardins. Encore aujourd'hui, à l'hôpital, je recevais des commentaires. « Mon Dieu, vous avez une belle aréna, c'est propre, c'est chic, c'est beau. » Faut se dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais mis les pieds au complexe sportif, qui en sont à leur première visite. Puis on sait qu'il y a quand même un âge assez avancé quand même. Donc, je voulais apporter cette information-là. On reçoit beaucoup de commentaires aussi au niveau du complexe sportif, de la beauté et de la propreté. Je voudrais maintenant remercier un bénévole tout l'hiver qui a procédé au surfaçage des sentiers de Fat Bike, qui a fait ça avec sa propre motoneige, sa motoneige personnelle. Tout ce qu'il nous réclamait, c'était l'essence. Sans le nommer, c'est M. Richard Baudin. On sait qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans l'ombre des fois, puis c'est bon de les souligner. Donc, merci à M. Richard Baudin pour son bénévolat avec sa motoneige personnelle pour le surfaçage des sentiers de Fat Bike cet hiver. Je termine avec une question. Je sais que ça relève de la MRC, mais est-ce qu'on a de l'information concernant Renault Village, Renault Région, quoi que ce soit? J'ai eu des demandes là-dessus. Ben, écoutez, M. Baudin, au niveau de Renault Village, là, il y a des demandes qui ont été faites, manifestées pour avoir là, des montants supplémentaires. Normalement, des fois, il reste des fonds d'enveloppe là, dans des enveloppes dans d'autres MRC parce qu'ils comblent les besoins et il reste des résiduels. Nous, c'est déjà arrivé dans le passé qu'on avait réussi à aller chercher ces gens-là supplémentaires. Par contre, là, jusqu'à maintenant, là, on n'a pas encore eu de nouvelles. Là, comme quoi, ça avait été bonifié. Je sais, des fois, là, avant, il y avait un fonds d'urgence qui était disponible et qui ne l'est pas. Mais par contre, là, on fait toujours nos pressions politiques là, à ce niveau-là. On a un certain besoin là, au niveau de la MRC. Puis je vous dirais même, là, nous, à Grande-Ville, je pense qu'on a eu 29 dossiers actifs. Il reste encore 7 dossiers qui sont actifs. Puis je sais que dans certaines municipalités, tout était comblé. On parle là, peut-être de retourner là, au tirage là, pour permettre aux gens là, d'avoir des noms dans certaines municipalités. Mais je veux juste rassurer les gens de Grande-Ville, les gens qui sont déjà sur la liste présentement, ils ne perdent pas là, leur priorité. Là. Donc, si éventuellement on vient avoir des argents supplémentaires et qu'on peut aller, là, on peut aller au tirage, là, donc, les prochains, là, ils vont suivre là, ce qui est déjà en place. On veut terminer les dossiers, là, surtout là, les 90-95 %, là. Il faut les terminer là, absolument. C'est pressant, là, mais chacun du temps, les gens m'appellent, me posent des questions. Je réponds le mieux que je peux, mais écoutez, le programme, là, il n'y a pas assez dans ce genre de programme-là. Le besoin, là, il est trop omniprésent. C'est bon. Merci, c'est tout. Oui, je céderai la parole à M. Philippe Moreau. Merci, M. le maire. Encore des excuses à M. Leblanc, j'ai omis de lui donner de l'information par rapport à la Ligue senior. J'ai assisté à une rencontre la semaine dernière, puis la Ligue senior, ben, l'intérêt est toujours là, regarde, autant par les partisans, les joueurs que les commanditaires. Fait qu'on a parlé de reprise de l'activité en automne, puis on a une cinquième équipe qui a démontré de l'intérêt, qui voudrait participer à ce développement-là de la Ligue. Ça fait que le 20 avril prochain, il y a une autre rencontre encore. Ça fait que, regarde, c'est pas mort la Ligue senior pour ceux et celles qui se posent la question. On va être là à l'automne. C'est tout. Merci, M. Moreau, de l'information. Ça, ben, comme vous le savez, là, c'est sûr qu'on suit le constat ce qui se passe avec la COVID. Là. On parlait peut-être d'une reprise des activités en novembre, mais si tout va bien, là, normalement, ça va être à partir de novembre. Donc, je pense qu'on avait un horaire, là, un ordre du jour assez chargé. Ce pour dire, c'est qu'on est au mois d'avril, puis avec l'annonce du Hub d'innovation, le projet de 20 millions,
Je veux juste rappeler là, à l'ensemble des citoyens, là, il y a le 20 millions du haut d'innovation. L'année passée, il a été annoncé là, l'aéroport de Rocher-Percé, le projet pratiquement de 11 millions. Les dossiers rue du Parc, PAVL, la réfection des rues de la Poncée. On est déjà rendu à peu près 33-34 millions d'investissements dans un mandat de 4 ans d'annoncer. Puis on garde de surprise qu'il va y avoir d'autres annonces là, bientôt. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée.